Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Nous avons fait information. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Dans l'actualité, il y a une rencontre déroulée jeudi 19 juillet à un palais national entre le président de la République, Jovenel Moïse, et le même secteur Vodoua. C'est la deuxième rencontre chef de l'État avec le secteur ça. Après sa 16 juillet passé, à côté, il était déjà rencontré un groupe vaudouisant. Rencontre sa fête dans l'idée pour discuter sur la situation pays et puis définir moyen qui est plus bon pour avancer sur route changement. Rencontre sa vient ajouter sur liste diverses lots, chef de l'État déjà réalisé pour prendre doléances tout secteur dans la vie nationale et puis ouais façon yo capable porter solution à problème yo. Toujours même dossier la République là, Jovenel Moïse chita parler jeudi 19 juillet avec responsable syndicat différents corps professionnels dans pays a. Pendant rencontre ça, débat yoté chita sous situation sociopolitique pays a, côté chaque syndicaliste discuté et puis fait proposition sous moyen qui capable utiliser pour retirer pays a dans crise. Rencontre ça fait à partir l'autre série chef l'État entreprendre pour joindre disons tout secteur sous plus bon façon pays capable gouverner et puis prend en compte revendication tout secteur dans la vie nationale. Dossier santé, secrétariat technique, état généraux sectoriel national rencontré jeudi 19 juillet, commission nationale réforme système santé et services hospitaliers, dans l'idée pour parler sous avancement problème système santé qui en place la gagne. Rencontre ça, c'est occasion tout pour responsable CNRSSH, yo te présenté quelques propositions à responsable EGNSO, yo façon pour améliorer question santé dans le pays. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro, Rodney d'Orléans avec Fresnel Toussaint. Nous faisons toute une série de réflexions pendant 12 mois sur une meilleure proposition qui peut changer le système d'une manière générale. Donc, il y a 6 composantes d'une manière générale dans le système de santé que nous-mêmes nous abordons, nous réfléchissons. Et dont question financement, donc question ressources humaines, médicaments, système d'information, organisation services. Nous réfléchissons sur différentes composantes du système SAO, système d'information également. Nous réfléchissons sur toutes composantes SAO et nous faisons des propositions. Comment nous faisons? Tout simplement en essayant de, en tout cas en réalisant des ateliers et nous réaliser plusieurs ateliers avec différents acteurs qui sont concernés par composantes SAO. Au fil conducteur, il faut qu'on connaisse de réforme là, autour de questions couverture universelle en santé. C'est lui-même qui configure réellement l'ensemble de positions que nous avons fait. Qui en soi avait dit tout simplement que nous faisons des positions que nous avons un système de santé côté majorité population qui a accès réellement à services de santé. Que ce soit accessibilité économique, que ce soit accessibilité géographique. Nous connaissons que une chose qui est importante, c'est l'accessibilité économique. Je ne dis pas qu'il y a un pile de monde qui parle, qui parle, prend soin, tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'à payer soin. Donc, sous base ça, nous essayons de rentrer dans la logique de définir un mécanisme financier qui permette que tout le monde soit capable d'avoir accès vraiment à soins de santé. Nous avons souhaité, le président, lui mettre la commission présidentielle ça sous pied pour réformer le système de santé. Nous avons une vision globale, c'est le système et une vision, et nous avons l'assurance, quelle que soit la position, quelle que soit la géographie, position géographique, maintenant, et l'étage d'un accès à soins de santé de qualité, c'est pas quel que soit soins de santé, parce que quand arrive dans l'hôpital, les jeunes soins de santé, mais pas de qualité. Nous, t'as souhaité que mise en œuvre ça, les fêtes, j'ai camarade d'assaut, dit, les parents bagaille, que vous besoin de partir ailleurs pour vous faire, les possibles avec rentrée fiscale, nous connaît camarade d'assaut, dit, nous besoin d'étaler tout sous lui, nous connaît avec couverture universelle en santé, ça, nous connaît répétition grève, nous connaît, nous pas dit ça fini, nous capable d'améliorer, ça dépend des gens. Pour mise en œuvre la liste. L'autre nouvelle responsable organisation ODEP Haïti fixe position sur situation sociopolitique PIA. Dans une conférence pour la presse jeudi 19 juillet, secrétaire général ODEP Haïti Assad Volsi proposé chef l'État PIA faire cohabitation politique avec Patio pour retirer PIA dans la crise liée journée jeudi. Nous invitons suivre. Nous même au niveau des particuliers, on nous dit, 1,
Nous croyons que la solution qui est possible aujourd'hui, c'est une cohabitation politique. Il accepte que il y a une discussion qui fait pour que, avec vrai adversaire politique, pour nous arriver à camper sous pied, le gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement pour faire un poste. La commission est très claire. Ce gouvernement, justement, qui parle d'une feuille de route même claire. Une feuille de route qui dit très clairement. Nous allons faire une conférence nationale là. C'est ça que nous-mêmes n'avons pas ici. Nous allons pouvoir parler avec l'autre structure politique. Pour nous dire très clairement, jeudi, on allait vers une cohabitation politique. Côté que ce n'est pas moi qui ai point de vue. Ou quel point de vue, la mettre sur la table pour Haïti. Toujours dans ce qui concerne la situation sociopolitique PIA, membre coordination base grand citoyen Jovenel Moïse, présenté position sous situation PIA dans une conférence pour la presse jeudi 19 juillet. Dans l'intervention trésorier base grand citoyen Jovenel Moïse, là, Morancy Kader exprimé solidarité membre base là avec président Jovenel Moïse pendant qu'il profitait des chefs l'État pour continuer le travail à faire pour aider PIA à avancer. Nous invitons N'a demandé président PIA Jovenel Moïse pour mettre canson li nan tay li pour lui faire PIA marcher ak maman loi PIA bali pour diriger pendant 5 ans. N'a demandé à tout coordonnateur, coordonnatrice base grand citoyen qui dans 10 département PIA ak nan communio ak section communal yo ak l'autre base allié yo pour autant mot d'ordre nous pas prêter bois croisé pour nous bailler yo fin craser pays ya. Situation alimentaire population en pas fin correct d'après un rapport coordination sécurité alimentaire mette de yo. Sous chaque 5 familles yon gen difficulté pour joindre manger chaque jour. Coordonnateur CNSA Armel Kazo expliqué doit gen effort qui fait bon côté autorité yo pour faciliter quelques programmes sociaux qui mandé en pile bras pour soulager population. Nous invitons suivre. Campagne alimentaire là, pour trimestre, il varie de 3% par rapport à trimestre précédent. Trimestre précédent, c'est sorti janvier pour arriver mars, et trimestre à Napaléen, c'est sorti avril pour juin. Il y a une variation de 3%. Ça veut dire qu'il prend, il a augmenté de 3%. Tandis que pour l'année dernière, dans la même période là, entre avril à juin de l'année dernière, comparé avec l'année ça, il varie de 8%. Elle dit, l'année dernière, c'est plus bas de 8% que l'année ça. Problème qui gagne pour qui fait que l'année alimentaire, là, les variations, ça, en augmentation de l'année alimentaire, là, il y a de deux types. Il gagne un, pour année, pour. Période sortie mars pour arriver en juin, qui c'est campagne printemps, avec dit c'est campagne printemps, il y a une pour campagne de production, côté mon a cultivé, à planter. Eh bien, la pluie n'a pas tombé dans tout pays en même temps. C'est que le fait que nous sommes pays qui importé en pile, nous importé plus que 50% de ce qu'on a consommé en pays. Qui vient faire que n'importe choc qui gagne sur le marché international là, lui, nous recevons directement. Et dans une période ça, justement, dans la période, dans le trimestre que nous parlons, hein, du riz, maïs, eh bien, sur le marché international là, il y a la hausse. Zone qui est affectée, nous dit que, dans l'arrondissement Bellens, c'est, nous avons des zones qui gagnent différents problèmes parce que eux-mêmes c'est des zones sèches, c'est sous la pluie que vous comptez. Dans la zone et plateau central, si nous prenons Thomasic, Sekalasou, Sekakavajal, si nous prenons Bombardo Police, Bédehen, on partit dans Jean Rabel, si nous prenons dans la zone nord, Plaine du Nord, Limonade et surtout, si nous prenons et zone côte sud là, Auto, Chardonnière, un peu pour rapidement,
zone ça yo, c'est zone dans moment côté qui gagne qui suscitait beaucoup plus de préoccupations, ça veut dire faut qu'on un projecteur qui braquait, pas seulement projecteur mais faut qu'il y ait des actions qui fait dans zone ça. Tout programme social gouvernement a continué fonctionner dans tout pays a et spécialement programme Ti Maman Chérie. D'après directeur général Faes la Châtelier Charles Ernest, gen 120 000 mamans qui enregistré dans programme ça. Parmi maman ça yo déjà gen 35 067 qui recevoir l'argent yo dans cadre programme ça. Châtelier Charles Ernest profité annoncer différents mesures qui déjà prend pour continuer porter assistance by toute maman dans cadre programme ça. Moi invite au suivre yon extrait dans micro Louis Jean-Louis ak Hervé Pierre. Dans plateau central nous te gagné côté nous te gagné 6138 mamans pour nous te toucher. Dans 6138 mamans, nous arrivé toucher déjà 3331 mamans qui touchés dans plateau central. 3331 mamans qui ont recevoir 1000 goudes que président Jovenel te promet premier paiement, nous avons joué, nous gagnons à peu près 2807 mamans qui pourront toucher, mais c'est graduellement au fur et à mesure que maman ça va passer dans ce que ça unitransfert pour être capable de recevoir Tito, président Jovenel, de voyer pour nous. Donc, nous avons continué le programme de Maman Chérie dans le reste des départements. C'est graduellement à faire, parce que l'objectif là, c'est arriver, toucher réellement chaque maman. Chaque maman individuellement. C'est même barrière là, nous fait tout avec panier solidarité. Les nous distribuons Tito, nous distribuons Tito effectivement, by moun ki pi déshérité, moun ki pi bayo. Pour regarder dans Port-au-Prince, c'est ça nous fait. Dans l'autre quartier, dans l'autre département, c'est ça nous fait. C'est distribuer manger à bay moun ki pi parfait. Nous avons planifié là pour aller dans la Gradance. Dans la Gradance, semaine ça, nous avons caravane qui a déplacé pour aller dans la Gradance. Pour aller d'abord distribuer coupon yo bay maman yo. Là, nous finissons distribuer coupon yo pour nous faire copie carte électorale là. Et ça fait faire ça déplacer avec une logistique pour ça. Député circonscription Lester Lamandé parlementaire au travail pour parlement tourner un espace débat qui permet de poser problème toute qualité pays a fait face. Dans ce sens, Renan Alexantus mandé collègue Lio travail pour population reprendre confiance dans institution. Député Lester la proposé parlementaire réduit 40% dans privilège ak salaire ça cap faciliter population prendre confiance dans institution et puis poser vrai problème. Les pays, nous invitons à suivre. Et lorsque vous avez une situation de confusion, non seulement de le fondement de la société, de la faillite de l'État, vous êtes capable de permettre que la société, ça, pour le galon souffle, l'État, ça, pour jouer au lit, pour accomplir pleinement ça, comme obligation, notamment obligation sociale, il faut que nous avons un cadre de discussion, faut que nous avons un cadre de réflexion. Et cadre de réflexion, ça, nous pas qu'à faire en dehors de faute conscience politique. Maintenant, il y a une institution d'État qui a joué rôle ça comme espace de discussion, de réflexion, de proposition, de solution. Mettez les grands corps de l'État ensemble, les acteurs sociaux, les syndicalistes, les professeurs et les ouvriers, etc., les paysans et puis les acteurs économiques, c'est le Parlement. Maintenant, pour le Parlement, faire le tour. Puisque je vous dis, ils ont identifié le Parlement, parlementaire, comme à plusieurs bagages. Un, d'un côté, ils ont partagé la souveraineté du pays, ils ont légitimité en représentativité, et de l'autre côté, ils ont identifié mon café comme. Ils ont identifié l'argent. Maintenant là, il y a une crise morale éthique qui établit sous tout l'État, et notamment sous le Parlement, ça, qui t'a supposé jouer un rôle de discussion, de débat effectivement pour moi et système ça, parce que ceux qui représentent la société dans l'État ça, que et n'a pas là, mais pour ça le fait, pour l'arrivée jouer rôle ça, et que n'a pas là, et un rôle politique ça, faut que je dis à Parlement, bon parlementaire, il aurait dit tout ça, il aurait dit avantage de 40%, et dans le cadre ça, il est capable d'exiger. Les autres corps de l'État, notamment exécutif là,
et pour que nous abordions des problèmes sérieux sur la refondation de l'État. Pour qui ça, c'est pour ramener la confiance autour de nous. Confiance pour dire que désormais, mon parlementaire n'est pas identifié à l'argent, mais l'identifier comme un défenseur de société dans l'État, et c'est ça que le parlementaire gagne comme véritable et attribution. L'autre nouvelle, député 3e circonscription Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, mandé population en pas prendre en propagande politique qu'a fait contre parlement côté gain information qui t'a fait quoi gain attaque qu'a préparé contre parlementaire ak local parlement. Parlementaire a dit attaquer parlement pas résoudre problème y a dénoncé ya. C'est dans les prochaines élections yo population doit sanctionner tout parlementaire yo estimé qui pas rempli mission yo comme ça doit. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro confident Fedner ak Moïse Ulrich. Ça peut occuper l'ensemble des parlementaires yo. Et ça doit préoccuper, construire l'opinion même contre les parlements. Comme nous avons des présidents Garibodo, lui-même qui fait déclaration, fait connaître, il y a des informations palpables qui t'a fait connaître, il a vu briller les parlements. Donc, comme lui demande pour la police en responsabilité, eh bien, il y a 10 populations haïtiennes, non, il y a même tout, pour ne pas quitter les gens qui ont joué dans la tête, tout, parce que détruire le bâtiment parlement, ce n'est pas ça qui a solutionné le problème, non, mais solution le problème, non, c'est la prochaine élection qui va le gagner, pour choisir des gens qui sont valables, qui sont compétents, qui ont une idéologie, pour qu'ils viennent servir le pays, pour qu'ils servir la nation. Merci, confident, ak Moïse. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour observer un coup de pause dans le journal là. Pas déplacé, n'a pas tourné. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, 4 jours après inviter le président russe Vladimir Poutine dans Washington. D'après le président Trump, entendre lui avec le président Poutine, c'est un bagage positif. Nous invitons à suivre. Président américain Donald Trump invité Tokay Wisli Vladimir Poutine dans Washington pour poursuivre discussion qui était commencé dans Helsinki. Président américain félicité tête libre pour première rencontre ça, il était gagné avec président Wisla, il assuré il était ferme face à la Russie. D'après Donald Trump, le président américain qui pide à la Russie, il attire attention sur diverses sanctions qui étaient adoptées contre le pays ici-là, parmi l'expulsion diplomate russe. D'après président Trump, entendre avec président Poutine, c'est un bagage positif. Opposant tant qu'allié, reproché président Trump de trois conciliants avec Tokay Wisli, Vladimir Poutine. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, pour pipiti, 14 personnes blessées dans une attaque à couteau qui fait dans la ville Lübeck qui dans le pays Allemagne. La police allemande a arrêté un suspect d'après médias locaux. Pour qu'on y ait pas dressé profil ni motivation assaillant. Président République, la Jovenel Moïse après poursuivre la consultation li lancé sous conjoncture avec sous choix prochain premier ministre pays. Hier jeudi, chef l'État rencontré un autre groupe dans le secteur vaudois et puis représentant organisation syndicale. Secrétariat technique État général sectoriel nation rencontré jeudi 19 juillet, Commission nationale réforme système santé et services hospitaliers. Rencontre ça fait dans l'idée pour parler sur problème système santé à faire face. Et bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli, nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester branchés à la télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.